Voilà. Donc, nous voilà pour la découverte de Bolgun. Coucou Mathieu, j'espère que tu vas bien. Le FPS à l'ancienne, boomer shooter de Warhammer 40K, qui est sorti du coup à la fin du mois de mai. Donc on va tester ça. On a une magnifique main de Space Marines pour cliquer partout. Peut-être plutôt partir là-dessus. Les sous-titres activés, l'interface non, volume principal. Je pense que c'est assez fort. Ça devrait aller. Tu me diras si c'est pas assez fort, Mathieu. Le contient des explosions et des lumières clignotantes, bien entendu. Fonction de sauvegarde automatique. C'est une Space Marine. Bonne blague, bonne blague. Est-ce qu'on a d'autres options? La taille du réticule. Ouais. Opacité, bon, pour l'instant on va pas le changer. La caméra clavier souris. Marcher en avant, bah voilà, au moins. On va vite fait changer ça. Pas à droite, pas à gauche. Marcher en arrière, c'est bon. Tirer, ouais, recharger R. La mêlée. La mêlée, on va la mettre. Non, ça marche pas. Merde, non, bah non. Du coup, c'est... Ah oui, la mêlée, du coup, c'est... Putain, il y a un bouton provoqué. S'il y a un bouton provoqué, ça, ça on va provoquer souvent. Il y a moyen de charger, il y a la grenade. Voilà, on va en mettre sur A, du coup. Sauvegarde rapide. Grenade suivante, voilà, ouais, classique. Changer de type de grenade, ok, on va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Il y a moyen de jouer à la manette, pour l'instant, on va pas y toucher. Limite de FPS, on va juste baisser un peu, on va mettre à 90. On va augmenter un peu le champ de vision. Et on va rien toucher pour l'instant. Ah oui, il y a du coup moyen de changer la palette rétro. Ça, on va éviter de chercher trop la merde. Mais il y a aussi moyen de du coup changer la pixelisation pour avoir un truc hyper pixel. Histoire de bien s'amuser. On va rester au truc de base encore. Il y a l'air d'avoir des petits drops à certains moments. J'espère que ça va aller. Bah, j'ai envie de dire let's go. Nouvelle partie. Est-ce qu'on irait pas en difficile ? Histoire de chercher la merde. Alors, charge et jetez-vous sur les ennemis pour les bousculer, infliger des dégâts. Ils ne contreront pas la peur. Dévie les projectiles ennemis, empêche de subir des dégâts. Grenade, essuyez vos ennemis à l'aide d'explosions. D'accord. Terminatus. Bon, pour l'instant, je pense qu'on va rester en difficile. Pixel over paletted. Ça va bien se passer, hein. Bah, let's go. Pour l'empereur. C'est au niveau atterrissage forcé. Votre déploiement sur Graia ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais peu importe, blablabla. Voilà. Nothing. Once touched by the hand of chaos, remains untainted. You are under the dominion of the Ordo Malleus to assist my investigations into a world that has already felt that fell influence. Graia has been under the close watch of the Inquisition since the Grimskull War. The Forge world remains largely secure, but... We have picked up concerning energy readings in the surrounding system. I have my suspicions, although we have not had sufficient time to pinpoint the origin of these foul energies. Oh, c'est le chaos. While most of the planet remains unaffected, it is my belief that rogue elements within the Adeptus Mechanicus may have been experimenting with a surviving fragment of Inquisitor Drogan's power source. L'inquisiteur Drogan, on est d'accord que c'est, c'était l'inquisiteur de, du jeu Space Marines. Et ce truc, le fragment, c'est pas justement ce qui a été récupéré par, par Titus dans Space Marines? Genre, ce serait la suite de Space Marines. Dont la suite arrive d'un coup. Du coup, ça fait le point avec la suite qui arrive cette année. C'est bien Drogan, ouais. Merde, on l'a pas écouté. Bon, y a des méchants, y a du chaos, tuez-les tous. Pour l'empereur, bien sûr. Du coup, excellent, ils ont fait un lien avec le jeu Space Marines. Ok, stylé. Ouais, bah classique. Ouais. Tuez les hérétiques. Tuez ce qui est différent. Et tuez ce pourquoi vous doutez, hein, bien sûr. Beware.
Bon, en tout cas, déjà la DA est très cool. Hein. Déjà vendu par la DA. Voilà, des Chaos Marines, vas-y, c'est parti. Chaud patate, mon gars, quand tu veux. Ouais, bon, un atterrissage tout à fait classique. Son déploiement sur Grenade s'est pas déroulé comme prévu, mais peu importe, sécurisez de l'armement. Affermissez votre foi et poursuivez la mission, ces hérétiques n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Chargez les ennemis pour les repousser. Ok, let's go. Par contre, je serais bien chaud pour augmenter le fauve. C'était là plutôt. Fauve, le fauve, c'était où? C'était là. Bah, ça sent pas. Hey, putain, ça a pas sauvegardé mes touches. Ah non, j'ai inversé les deux, attendez. Commande, non c'était ça. Pas à droite. Eh oui, j'ai inversé les deux, voilà, c'est bon. Ok, sauté. Alors par contre, je vais tout de suite débrancher la manette, sinon ça va être insupportable. Oh non, mais non, mais je m'en fous. Voilà, merci. Cogitation, cogitation, résultat imbécile. Ok, donc on peut donner des coups, voilà, de corps à corps, mais il y a surtout notre bouton. Voilà. Il y a le bouton Taunt qui va être le bouton le plus important. Bon, par contre, l'ascension, on va y aller doucement. Bon, j'ai déjà envie d'aller partout. Bon, visiblement, tous nos potes sont morts. On n'oubliera jamais ces précieux Space Marines. Ces ultra smurfs, hein, bien sûr. Oh, déjà ça rend bien. Donc il y a le F, c'est la charge. On a du coup le bouton de Taunt. Taux critique, grave lésion, détecté. Oui, en effet, oui. Oh, les sprites qui se tournent, quel plaisir. Je crois que t'as deux actions sur Q. Non, normalement c'est bon parce que c'était la grenade. Et je l'avais changé. Tu me mets le doute, mais je vais te checker. Non, non, c'est bon. C'est vraiment ça le met en vert quand il y en a deux sur la même. Petite ref à l'eau, l'atterrissage. Ouais. Juste le sol qui tremble quand t'atterris, quoi. Les petits détails qui font tout. Après, l'objet médical, hein, pour administrer les premiers soins. Okay. 206 points de vie, on va voir jusqu'où ça va. Pas de l'épée tronçonneuse. Il y a des cultistes à fusil d'assaut. C'est quoi, c'est rien? Oh la musique! Bon, le meilleur bouton, on va le spam, hein. Je l'annonce tout de suite. Merde, c'est la grenade! Et oui, du coup, là, tu peux changer de grenade. Donc, pour l'instant, on a deux grenades. Okay. Bonjour! Ah, mais tu peux charger en plus! Alors, attends, faut appuyer sur V. Ah mais du coup ouais, quand tu charges ton coup et ça t'attire à l'ennemi. En toute délicatesse. Bon ça visiblement on peut pas. Par l'empereur c'est trop puissant. Déplacement vertical nécessaire, sauter avec espace, ouais bon ça d'accord. Bon la tronçonneuse, tu sens que tu vas te faire plaisir. Bon, par contre j'ai envie d'aller partout du coup. Et coucou Xavier, comment ça va? Santé au max. Bien. Ah, on peut grimper. Médicament. Ça, j'ai vu. Éviter de tomber, ce serait con. Non, y a pas un petit secret, là? Donnez-moi les secrets. Je vis pour ça. On a tellement la haine. Merde. Tout va bien. On répare un truc. On va éviter de mourir. Y'a rien, là? Extrêmement désappointé. Prends juste le bruit de pas, quoi. Tu sens que tu joues un tank. Ça fait plaisir. La tour de la porte vient d'un interrupteur. Interagissez. Très bien.
Voilà, donc il y a une espèce d'auto-aim sur le coup de cac qui te fait du coup foncer dessus, et après il y a la F, on a la charge. Voilà, hop. En délicatesse, bien sûr. Ok, donc forcément, on va avoir des systèmes d'ouverture de porte avec des clés. Il y a des niveaux. Le chaos, évidemment. Emploi de la charge rapide. Recommandé. F. Ah oui, du coup, la charge rapide, on parle. J'ai oublié. J'ai activé quoi, là? Ah oui, d'accord. On a activé la porte. Merde, trop tard. Donc, en fait, c'est un dash, quoi, ce qu'ils appellent la charge rapide. Ah, mais on peut courir aussi. Ah oui, d'accord. Ah, merde. Lui, il avait plus de vie. Du coup, on peut sprinter pour aller encore plus vite. Du coup, encore plus de stomp. Oh, mince, sont toujours des citations inspirantes. C'est vrai. Du coup, j'ai récupéré la clé. Du coup, elle est indiquée en bas, ouais, en bas à gauche. Oh, le speedrun en vrai. Hein. On va voir, hein, mais en vrai, speedrun du jeu. Ah! L'empereur est beau! Voilà! Ok, on a un bolter puissance 4. Nickel. Par l'empereur, je suis très fort en puissance 4. Et du coup, tu peux quand même avoir le cac et t'as le bolter. Nickel! Là, on va pouvoir. Tuer des trucs. Bon, la sensi par contre est peut-être un brin trop forte. On va changer la sensi. On va passer à 70. Ça va aller mieux pour viser plus calmement quoi. Voilà, un vrai bolter. Le bolter hein, dans les munitions, c'est littéralement des canettes de Coca-Cola explosives. Donc finalement, c'est parfait. Merde. Putain. Ah mais le petit cac qui fonctionne si bien là, on rush comme ça. C'est pas des choses. Hein. Ah, c'est si fluide. Bon par contre pour y voir quelque chose c'est pas évident hein. Ok d'accord, c'était rouge quand il y a du méchant en zone consacrée. Cette zone est désormais pacifiée. J'ai un bolter monopoly. Ok, munition max. Oh là là, je sens que ça va être bien. Est-ce qu'on a une map? C'est juste pour changer d'arme. Et quoi là, il y a de nouveau un bolter là? C'est quoi ça? 200 mépris. On a gagné du mépris. Parfait. Du coup, est-ce qu'il y a des secrets? Savoir s'il y a des secrets. Ça me perturbe. En vrai, le speedrun, là. Speedrun, ça donne envie, hein. On crée plus qu'un éditeur de niveau, quoi. Sortir en vue. Putain, il y a des secrets! Putain, on a raté le secret. Merde. T'es dans la montagne. Un chemin de montagne mène à la zone résidentielle. La route est jonchée de canons de défense planétaire et d'hérétiques. Trouvez un moyen d'accéder à la zone et mater toute résistance. Blessant plus de difficultés à fuir les attaques et les prétentieuses. Je fais les. Ok. Batterie d'armes locale inactive. Conclusion, un moment raflé par les hérétiques. Purifier les lieux en chemin. Ah mais du coup, il y a des secrets. Hein. Mais où? Par contre, on nous a enlevé de la vie du coup. Parce qu'on avait plus de vie et plus de mépris. Hein. On était à fond niveau mépris là, on les aimait pas les gars. Et donc il lâche de la vie. J'ai médical. Ok. Mais y a pas la map? Je suis surpris qu'il y ait pas la map. C'est pourquoi? Hérétique? Ok, ça va, en vrai, on récupère assez vite nos points de vie et tout. Donc,
On va aller. Bon, par contre, malgré leur, leur 4 poumons et leur 2 cœurs, ils n'arrivent pas à sauter, à double sauter. Et les gars! Fusil à pompe. Où il est le fusil à pompe? À moi. Bon, on se balade, hein. Fais ses courses. Ah mais là on revient là du coup, ok. Ok, ok. Oui bah... c'est oui. Le BABA des hérétiques quoi, parfait. Ok, on a de nouveau une grenade. Grenade frag. Ah, un titan. De l'armure, il saute plutôt bien. Ouais, mais un double saut, quoi. Pour aussi niquer la physique. C'est des Space Marines, après tout. Qu'est-ce que les lois de la gravité pour eux? Du coup, je sais pas si le secret, il faut juste essayer de se balader, il y a un endroit caché, ou alors il faut ouvrir une porte secrète. J'espère en trouver un jour. Tiens, ce bouton, on va beaucoup le spammer. Hein. Ah, mais en vrai, le feeling, il est bon, hein. Merde, je vous prie. Ça répond bien, c'est rapide, le feeling est très réussi, hein. On a un sec. On n'a pas encore trouvé le shotgun du coup. Ce qui est très décevant. Parce que du coup, un boomer shooter se définit avant tout par le feeling du shotgun. Oui, c'est pourquoi. Pour les grenades, on va jamais s'en servir. Franchement, pourquoi utiliser des grenades? Ok, d'accord. Est-ce que c'est une mine? Ok, donc il y a des marines du chaos. C'est parti. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Merde, je suis trompé. C'est ce bouton que je voulais utiliser. Attends, comment ça se fait qu'il est mort? Il s'est pris la grenade dans la tronche? Il est tombé. Inaccessible, faut localiser la clé. Pas du tout. Par contre, voilà les sacs à pédé, putain! Et vous pouvez rien, grâce à la technique ancestrale de l'Empereur, sauter partout! Secret dévoilé? Comment ça, secret dévoilé? Qu'est-ce que j'ai raté? On récupère un truc? Oh, la musique se fait un peu discrète, je suis un peu déçu. Je m'attendais à du plus vénère. C'est pas un secret, ça. Des World Eaters ou des World Bearers, je crois. Je fais confiance. Que visiblement on a ouvert un truc, mais... c'est pas quoi. Je trouve que c'était ça, mais on a rien récupéré. C'est vrai qu'on a la charge aussi, on dit c'est pas la charge. Ah, le saut, ça a l'air d'être ton meilleur ami, hein.
Bon, désolé, hein, je sais que c'est un jeu où faut aller vite. Mais attends, là, on le reprendra peut-être en mode speedrun. Là, c'est vrai que j'ai envie de me balader un peu, profiter des décors, tout ça. On a envie de s'amuser. Médical identifié. Super, mais tu sais, moi, je prends pas de dégâts, hein, en Space Marine. Ah, il a un peu raté sa grenade, lui, quand même. Par contre, le secret, je sais pas ce que c'était. J'ai pas compris. Bah! Ouais, faut charger le coup, du coup. Si tu charges pas... Peut-être que je fasse gaffe un peu aux munitions, aussi. Oh, mais le petit plomo des coups, là! Je vais peut-être envoyer un peu loin, là. Ouais, peut-être que l'attaque au corps à corps te redonne plus de... une grenade crack. Te redonne plus de munitions ou quoi à la Doom. Alors voilà, pourquoi s'embêter. Ah mais ça va être ça la grenade crack, c'est qui explose du coup direct à l'impact et qui fait masse de dégâts. Alors il y a l'air d'avoir un truc là-bas. Mais je dois dire que je me souviens plus trop de l'objectif. Merde! Fallait que ça arrive au moins une fois. Bon ça va, c'est pas punitif. Il est juste tombé, il se passe pas grand chose. La grenade que j'ai envoyée à l'autre bout. Oh, le petit coup de tronçonneuse, il va bien. Hein. Secret déverrouillé. Ah, j'ai une... Ah, c'était ici le secret? Oh oui. Alors du coup, je suis hyper badass. Du coup, il y a un petit slow-mo, je vais plus vite. Je tire plus vite, je saute plus haut. Ok, de la vie et du mépris. Secret déverrouillé. L'esprit de la machine. Loué soit l'Omnisaya. Ah, j'ai l'arme améliorée du coup. Boulter puissance, d'accord. L'arme visiblement est améliorée. Visiblement, elle a trouvé des secrets, faut juste se balader quoi, ouvrir des trucs. Je crois que ce côté-là, c'est fait. Juste aller récupérer, j'ai vu qu'il y avait des mules. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'être trop à court. Bon, c'est vrai qu'on va peut-être courir. Ça ira plus vite. Evelyn Death, et ça, vous avez mis ça hier. 100% il y a un truc là. Allez! Une aubaine de munitions, parée armée. Let's go. C'est marrant, le petit clin d'œil. Jeu vidéo moderne avec la tache de peinture jaune. C'est indiqué le chemin. Tiens! Salope prêtre! Vous êtes détourné de l'empereur. En tout cas, très très cool qu'ils aient fait un lien avec avec du coup l'histoire de Titus. Et on a finalement un pont entre... à voir si du coup ça fait lien avec l'histoire de Space Marines 2. Oh, bonjour. Et ce qui explique du coup comment Titus a échappé à l'Inquisition. Et qui se fait un peu embarquer la gueule quoi. Merde. À cause de ce Léopoldas là, petit bâtard, qui a trahi. Secret, c'est une espèce stéroïde. Les voir à drogue. En vrai, on aurait peut-être pu se mettre en Exterminatus, hein, franchement. À voir.
parce que là, du coup, on affronte des petits pecnos, quoi. Parce qu'après, je me souviens qu'il y a des bêtes de Nurgle et tout qui débarquent. Sans trop spoiler, bien sûr. À la fin, ça devient un peu plus vénère. Et du coup, ouais, le Blessing Omnisaya, on l'a jusqu'à la fin, quoi. Est-ce que ça se fait, ça? Oui. Putain. Oh. Ah mais on a des munitions de fusil à pompe, mais on a pas trop le fusil à pompe, c'est horrible. Ce teasing là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des munitions de fusil à plasma, mais... Et donnez-moi les armes! Please. Dis, gamin, tu veux de la noire drogue pour servir ton empereur? Voilà. On est ultra marre. Ah bah voilà. Des trucs dégueulasses. Ils sont là. Ah oui, bah ça commence. Les trucs dégueux. C'est parti. Putain! Ah putain, ils ont de la vie ces petites saloperies là. Hein. Putain, le crapaud de l'espace. Je trouve que c'est assez lisible de savoir quand du coup les ennemis, surtout assez loin, ont plus trop de points de vie. Mais si, ce serait marrant de voir si on peut du coup supprimer la barre de vie des ennemis. On va la garder pour l'instant bien sûr, mais ça pourrait être intéressant de l'enlever plus tard. Voilà, ça reste quand même utile de savoir la vie des ennemis. S'il faut continuer à spam aussi ou pas. Et bon, généralement, il reste pas grand chose. Hein. Par contre, moi j'ai vu qu'il y avait, il y avait un accès là-haut là. Oh non! Mais non, mais pas un mur invisible, pas comme ça! Quel dommage! Mon immersion! Ultra mort, t'es ultra mer, ultra océan. Je crois que t'es ultra saoulé. Non, ça marche pas, là. Ah, voilà. Bonjour. Fais pas cette tête, t'es le suivant. Qu'est-ce que c'est? Chargeur de munitions. Oh, oh oui. Le Molteur Kraken, on a 100 balles à l'intérieur, c'est bon, on recharge plus, c'est fini. Oui. Ok, c'est bon, c'est le meilleur jeu. Ah par contre, on peut pas recharger. Ah, ça veut dire qu'une fois que c'est... Une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais, je comprends, mais c'est beaucoup trop bien. Ouais, voilà, et tu retournes au chargeur classique, quoi. Ah, mais c'est cool, ces petits bonus, là. Ça va, cette tête. Voilà. Ouais, salut, les gars. Space Marines rouge, ils sont ultra calmes. J'ai trouvé que la mode du coup des FPS à l'ancienne s'était un petit peu calmée dernièrement. Parce qu'il y avait eu un peu une remontée des boomer shooters à l'ancienne. Et ça s'était un peu calmé cette année, j'ai trouvé. Il n'y avait pas le genre d'appel à gros projets à attendre et tout. Et là, ça fait du bien de retourner un peu dessus là. Allez, hop, 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 la moissonneuse. C'est juste la musique que je trouve un peu... pas plate, mais... Je te mets pas trop dans la vibe, quoi.
Genre les petits synthés, je les trouve un peu hors sujet. Pour me dire, ça se trouve vous, ça passe bien. Enfin, c'est vrai que je l'entends pas des masses. Réaction impossible, réalisation, trouver une autre entrée. Si on trouve pas l'entrée, faut la faire. Pas McGordon, c'est un peu mou du genou. Ouais, ouais je... C'est que t'as la musique un peu SF, etc. Oh, très joli. Mais du coup, c'est plutôt une musique pour l'exploration, quoi. Pas pour le gros fight. J'imagine que ça va être par là, s'il y a la tâche. Eh oui. Toujours suivre les tâches jaunes. La suite. Ah, mais ça rend bien, hein. Putain, on a oublié une personne. Oh, 5 secrets. Dur. De l'infiltration. Secteur impérial, impérialiste. Les Russes sont calmes, bien trop calmes. La puanteur de leur hésie abonde. On dirait que les défenses du militarum local n'ont pas été très efficaces. Descendez dans la zone résidentielle et purifiez-la au passage. Oui. Statut de la zone résidentielle abandonnée. Absence d'archives de l'administratum. Faisant état d'une agitation du personnel. D'accord. Je suis très latration. Un signe de vie détecté. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ah! J'ai entendu. Ça va, c'était pas trop long. Citoyen trouvé. Ah, bah voilà. Bah, ils ont l'air ça a l'air d'être des citoyens tout à fait classiques dans l'univers de Warhammer 40 000. Personnellement, ça me choque pas. Ça manque peut-être d'une petite map, mais j'ai peut-être pas trouvé. Oh, et oh, doucement, hein. J'arrive pour vous, les gars, 5 minutes. There is only one. Ok, il me faut une clé. Très bien, mais j'aimerais bien trouver une nouvelle arme, quoi. Je me sens puni. Progression impossible, survivre à l'intérieur, interrogation, stocker, clé requise. C'est vrai qu'on peut courir. J'oublie qu'on peut courir tellement qu'on marche quand même assez vite. Ah, bonjour! Oh là là. Putain, c'est marrant, Mathieu, je sais pas si t'as... Je pense que si, du coup, t'as fait la mage de Tacticus. Et du coup, c'est ces ennemis-là qu'ils ont rajouté, justement. Ces petites merdes du chaos, là, dans le... Dans la nouvelle campagne. Ça suffit. Hein. Te manque de vénération, perçu en ce lieu, blablabla, j'imagine que c'est la peine de mort. Des Tsinchin, à tes souhaits. Écrit un gros nerd. Moi j'appelle ça des trucs nerds sous des trucs de merde sous la godasse. Moi ça suffit. Hein. Voilà. C'est histoire de dire. Oh là là, putain, c'est cool hein. Oh oui. Des munitions supplémentaires. Oh, les petits effets, ça rend bien. T'imagines, t'es une petite merde du chaos et tu vois un Space Marine s'arriver à 50 km/h sur ta gueule. Je pense que tu te fais un peu dessus quand même. Même si tu viens d'une dimension parallèle. Oh, ça s'enchaîne bien, hein, c'est propre. Oui, let's go, dis tiens, bouffer dans la gueule.
Ouais, par contre, j'ai pris un peu cher là niveau vie. Hein. Oh, le shotgun est sympa. Faut pas se mentir. Plutôt agréable. Par contre, y'a pas de raccourci pour. Merde. Non, changer d'arme rapidement. Possiblement non. C'est mon titulaire à jeu. On va juste aller récupérer un peu de vie que j'ai laissé derrière. Parce que là, j'ai quand même bien pris cher. On voit qu'il y avait de gros up de vie. Ouais, c'est pas grand chose. Du coup, c'est quoi? Il y a un niveau de puissance sur les armes? Plus 4, plus 3. Ah non, mais ça doit être le. Ah non, non plus. Je pensais que c'était peut-être l'indication par rapport au pavé numérique, mais pas du tout. Oh! Oh! Il me le faut. Oui! 284 de mépris. Mon mépris a augmenté. Je suis de plus en plus raciste. C'est parti! C'est pas grave. Hop là. Ils sont où? Où ils sont tous passés? Ils sont où les copains? Mais les gars. Ok. Une clé. Ouais bah c'est un lundi matin quoi pour un peu Marines. Mais les gars. Bonjour. L'esprit de la machine. Oui, salut Nisaya. Ah, on a augmenté la puissance du fusil à pompe. Ça me va. Les gars. Oh là là, ouais, là il se passe des trucs là. Là il se passe quelque chose là. Ah ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est trop paradoxal parce que ça donne envie de foncer, d'aller tout droit, défoncer tout le monde, mais d'un autre côté là. J'ai envie de prendre un peu le temps, quoi. Puis pareil, franchement, les environnements sont pas moches, mais j'ai l'impression que ça manque d'envergure, sachant que t'as aussi un jeu qui du coup est assez simple, on va dire, sur les polygones, etc. Je m'attendais à des trucs qui foutent plus le vertige. Ça viendra peut-être plus tard. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais les décors intérieurs sont plutôt sympas. Ça n'existe pas, mon gars! Non, pas le feu, je suis allergique. Putain. Ah mais ça répond bien, hein. Quelques petits drops de FPS par moment. Niveau design, tu saurais plutôt quel dieu du chaos? Bah vu que je les connais pas tous, c'est compliqué à dire. Et je pense pas connaître suffisamment les designs des dieux. Après, Nurgle, Nurgle, ça reste une valeur sûre. J'aime bien le délire. Après, enfin, t'as juste du coup, on va dire les quelques représentations que je connais vite fait, il y a Nurgle. Ça, ça va. Après, il y a du coup, ça doit être Abaddon. Mais là c'est plutôt démoniaque classique quoi, donc ça bon c'est un peu je rompichame très fort. Et tu rajoutes des trucs verts dégueulasses et les tentacules et c'est bon quoi. Ok, on a la clé. Salut les gars, ça boum, vous dérange pas j'espère. Fait que passer. Vous me dites si ça vous embête, hein.
pour les FPS. Ils sont partis en vacances. Alors, le jeu a l'air d'avoir un petit souci d'optique quand même. Oh là là, oh là là. Pas trop fort, hein. Et apparemment, la version Switch est à éviter absolument. Elle a été complètement ratée. Ouais, on fait le plein. Ah, là, la musique, c'est déjà un peu plus dedans, là. C'est un peu plus la fête, je trouve. Je sais pas trop où on est là. Alors attendez. Hop. Yop. Bah du coup Mathieu, t'as rien raté, on continue de looter des hérétiques en les insultant. Donc finalement une journée tout à fait classique. Dans l'impérium de l'humanité. Hop, 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 ça dégage. Vous êtes des hérétiques, désolé. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est vous qui met pas le bon dieu. Désolé. Il y en a 4. Nurgle, Sench avec les démons que t'affrontes là, Korn pour le sang et le meurtre, et Slanish pour les pinces tétons et les pinces de crabe. Ouais, bah je vais rester avec Nurgle du coup. Hein. Et ces abominations dégueulasses. Ça me va. Et du coup, Mathieu, t'es peut-être parti à ce moment-là, mais. Mais alors ? Un boss ! Oh là là, oh oui mais forcément là j'ai le... Oui bah voilà, forcément qu'il n'existe pas. Voilà. Tiens. Il n'existe pas. Mais bon, j'avais la... J'avais le gros chargeur, donc je pense que ça va être pour ça. Abaddon, c'est Chaos Universel, un larbin. Et du coup un larbin de Slanish. Non, de Korn, peut-être. Et du coup Mathieu, t'as raté des nouveaux ennemis, je t'expliquais, qui étaient du coup dans la dernière mage de Tacticus. Dans la dernière campagne, les espèces de petites merdes roses et bleues là. Du coup voilà, il y a ça là. Aïe. Et du coup elle pompe ces petites merdes bleues là, qui sont du coup ce qu'on a dans Tacticus. Tout est lié. On va t'a raté aussi l'arrivée du shotgun, accessoirement. Sinon on se balade. De aucun et de tous en même temps. Paye ta reconversion chez le chaos. Bah du coup, vu que t'as aucune race, bah tu vas servir tout le monde. Voilà. Fallait pas trahir tes copains. Ton avis sur le shotgun ? Sympathique. Mais il manque peut-être un petit truc. Mais il y a de la bonne patate. Peut-être le cric-cric qui est peut-être un peu trop... Un peu trop grave. Alors c'est le design du shotgun que je trouve pas incroyable. Peut-être un peu lent aussi. Mais bon, faut pas trop déconner non plus quoi, sinon ça aurait été peut-être trop craqué. Merde. Mais l'enchaînement entre les deux armes, voilà, ça fonctionne bien. En lumière les gars. C'est soirée mousse offert par l'empereur ce soir.
Bon, c'est pas un ascenseur, mais... Pièce multi-munition. Super. Parti de le garder. Purgato, purgatio in extremis. Guigui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a du monde en bas. Ah ah! Oh! Bonjour! Une grenade vortex? On conteste ça du coup. Ah oui, et là j'imagine que si tu leur tombes sur la gueule, ils prennent cher. Ok, d'accord, ça détruit tout le monde dans un rayon de. Wow! D'accord. Très bien. Hop, save. Putain, mais c'est quoi le bordel? Salut les gars. Mais je suis bientôt mort. Non, je suis pas là. Non! Non, ma vie pour l'empereur, non! Ah oui, mais merde, et bah oui, bah on a pas fait gaffe, j'ai chargé. Oui! Et on a pas sauvegardé! Quelle vie! Enfin, quelle mort! Ouais, là, ils sont un peu nombreux en fait. On va reprendre la grenade vortex, non? C'est que les mecs on spawn d'un coup, j'ai pas compris. Ils sont où? Ah mais y'a un truc au milieu. Oh putain, y'a le botteur plasma. Ah oui, ils sont là, d'accord. Allez hop. Ah mais y'a les terminators du chaos aussi, d'accord, en fait y'a la totale quoi. Y'a un barbecue du chaos et on n'est pas invité. Ah mais dis donc C'est un peu compliqué quand même, on va pas se mentir. Putain, les incendiaires de merde. Mais ce festival. C'est quoi cette zone? Genre, petite promenade au cueil des pâquerettes, puis là d'un coup, allez vas-y, 4 exterminators. Terminator. Bon vas-y, visiblement, c'est trop facile pour toi, t'inquiète. On laisse ce qu'il faut. Très envie de sauter, mais je crains le pire. Non, ça va? Bah oui, c'est bon, y a pas de dégâts de chute pour les Space Marines. Par contre, en vrai, je suis descendu en ligne droite, mais. Côté la vie, c'était pas une mauvaise idée. On peut peut-être attaquer que en haut pour l'instant. C'est pas un ennemi. Ok, y a de la vie là. Y a de la grosse vie ici. On va peut-être y aller direct, ensuite faut remonter. À partir de quand est-ce qu'ils s'amènent tous du coup? C'est quand la merguez partie? Putain, les incendiaires! Il me reste que 23 points de vie! Au secours! Au secours. Il n'y a pas de vie ici, merde. Merde, il n'y a rien par là. Okay, faut qu'on se casse, faut qu'on se casse.
Merde. Attendez, je reviens les gars, 5 minutes. Hein. Bon, allez, 6 points de vie. Oh mais putain, c'est qu'ils font mal! Même que je suis en difficile, mais quand même! Alors il faudrait que je... Ça va, c'est pas un trou. Faudrait que je teste sur un truc, c'est plus simple de voir si je lui fais des dégâts ou pas, parce que pour l'instant c'est pas très clair. Tiens! Oh, tout va bien. Facile, j'ai pas transpiré. Il y avait de la vie là. Je le vis bien. Et du coup, c'est le niveau de puissance de chaque arme. Genre, le fusil à pompe, c'est puissance 3, mais ça doit être un. Hop. Ça doit être une balle qui doit être à 3, qui fait 3 de dégâts. Et là, on est à 12 dégâts. Le plasma, ça fait même une chance sur 6 d'exploser en tirant. Ah! Très bien. Bah... On va tirer quand même, hein. Puis on a full tout. J'ai pas vu ce que m'a dit l'alerte aux forces à proximité munitions. D'accord. Merci. Merci pour ton tips. T'es sorti? Niveau terminé. D'après le jeu de plateau... Ouais, ça m'étonnerait que ça m'explose à la tronche, hein, très franchement. Mais sait-on jamais. Bah écoutez, nickel. Bonne petite découverte. Des vidéos YouTube, hein. On va continuer juste après. A tout de suite.